Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 9h18, je vous prends un peu plus tard que d'habitude. D'habitude je vous prends souvent quand Georges est parti à l'école. Là j'étais en appel avec Amy ce matin, j'ai aspiré mon poil que j'ai allumé parce que je me les gèle. Et voilà, donc je vais vous raconter mon petit week-end, mais j'ai oublié mon carnet, donc je vais le chercher. Déjà pour commencer, je crève de mal au dos. Voilà, depuis hier, j'ai affreusement mal, hier ou avant-hier, peut-être bien avant-hier. Et comme je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire, là je vais quand même prendre un Dafalgan. J'ai mis du réflexe spray, j'ai mis un patch de chez Action. J'ai toujours aussi mal. Donc voilà, alors week-end, tout confondu, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose vraiment le week-end. Vendredi, chérie, après le travail, a été me chercher ma commande Click and Collect chez Jiffy. Donc, je vous ai montré. Donc, je vais vous montrer l'étagère sur mon bureau juste après. Au départ, je l'avais mis en coin, mais là, je l'ai mis. Enfin, vous verrez après. Parce qu'elle prend beaucoup moins de place comme ça. L'aspirateur, je l'ai testé presque tous les jours depuis que je l'ai. Il est bien, il n'a pas une puissance extrême d'aspiration, hein, donc c'est vraiment juste pour le petit entretien et pas le gros ménage. Chérie n'est pas contente du tout. Il m'a dit 69€ dans le cul, il aspire rien du tout, je préfère mon aspirateur. Oui, lui il est accro à son aspirateur balai, là, enfin traîneau. Mais moi avec mon dos, j'ai beaucoup plus facile à faire le petit entretien comme ça, quoi. Donc voilà, moi j'en suis quand même contente, il aspire les poils et les petites poussières, ça me suffit largement pour les petits entretiens que moi je peux faire, ça va. Sinon, vendredi soir, j'ai emballé les swaps jusqu'à 1h30 au matin. Voilà, j'ai dit j'ai commencé, j'ai emballé 2-3 produits pour passer le temps en regardant Charmed, et puis j'ai fait tout, et jusqu'à 1h30 au matin. Voilà, donc ça c'est fait, on se voit avec les filles le 22 pour l'anniversaire d'Emmy. Et on fera l'échange de swap à ce moment-là. Et la vidéo swap remplacera la vidéo Disney Challenge du mois. Voilà, comme ça vous savez. Sinon, comme je vous ai dit, je suis passée. Enfin, je vous l'ai dit sur Insta. De toute façon, vous l'avez vu dans le mukbang lundi, vous. Donc, comme d'habitude, toutes les vidéos dont je vous parle, je mets en barre d'infos. Si j'oublie pas desquelles je vous ai parlé, je suis passée en no-buy. Enfin, voire en low-buy, puisque. Il me refaut absolument un PC pour mes montages vidéo, donc je vais mettre de côté pour ça le plus possible pour que ça aille assez vite avant que l'autre me claque, parce que alors, si je peux plus faire mes vidéos je deviens folle. Sauf éventuellement, j'avais dit la palette de teint Anastasia là, avec le bronzer blush highlighter qui me tentait bien, mais quand j'ai vu le prix, plus de 60 balles pour ça, je vais attendre qu'il y ait une bonne promo pour me l'acheter, quoi. Voilà, parce que là, ça fait vraiment chéro. Donc, je vais attendre qu'il sorte sur un site et qu'il y ait une bonne promo dessus, à 25% minimum. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais quand il y aura, ouais, sur Douglas, ils font régulièrement des moins 25%. Donc, j'achèterai à ce moment-là. Là, j'attends une commande Douglas, puisque j'ai presque fini mon crayon noir bourgeois. Bon, j'ai encore un Sephora en backup, hein. Vous allez me dire si c'était pas urgent, mais. Vous m'avez beaucoup conseillé le NYX Epic Wear. Donc du coup, ils étaient à moins 10%. Ils étaient à moins 10% sur le site de Dee. Donc je m'étais dit, je vais les commander chez Dee. Et je voulais le Lighting Silver, ou enfin l'argenté, puisque dans un des make-up que je vous ai fait cette semaine qui vient de se passer, enfin que vous avez vu, je les ai fait la semaine d'avant, mais... j'avais pas de crayon argenté, donc je m'étais dit, vu que sur 10%, je vais en prendre un en même temps. Sauf que chez Dee, vous avez les frais de port offerts si c'est enfin livraison en magasin, donc ça fait encore courir chérie pour aller les chercher. Sinon, il fallait 50 balles, sinon ça me faisait 4€ en plus de frais de port. Donc. 4€, c'est pas énorme, hein, mais enfin 3,95€, mais c'est 4€. Voilà. Et Manon me dit, mais regarde sur Douglas, ils font souvent des pourcentages et les frais de port offerts. Donc je regarde, et effectivement, ils étaient aussi à moins 10% avec les frais de port offerts. Donc ça me coûte moins cher de me faire livrer des Pays-Bas que de la Belgique. Mais cherchez l'erreur. Donc du coup, j'ai pris deux noirs et
et l'argenté que je voulais. Voilà, je me suis dit comme ça, on verra s'il est bien ou pas. Si jamais je l'aime pas trop, que je préfère toujours mon Sephora, je vous le mettrai le deuxième en concours. De toute façon, c'est pas perdu. Donc, il y a aussi la palette Beauty Bay X Eau Coralie que j'avais dit que si elle me plaisait, je la prendrais. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai beaucoup changé d'avis en moins de 10 minutes. Hein. D'abord, j'ai dit qu'elle ne m'intéressait pas. Après, j'ai dit que vu le prix, je la prendrais peut-être bien. Après, je me suis dit que j'allais la prendre. Puis finalement, j'ai dit que je ne la prendrais pas. Bon, c'est tout, moi. Une fois que le coup de cœur est passé, la raison reprend le dessus. Donc, c'est pas mal. Après, elle n'est pas chère. 20 balles, c'est vrai. C'est de la très bonne qualité. Beauty Bay, je ne suis pas déçue. Maintenant, c'est des couleurs que j'ai déjà, surtout dans les Biperfect. Donc, c'est vrai qu'une fois que vous avez les Biperfect, c'est dur de trouver des teintes que vous n'avez plus, donc je me suis raisonnée, je me suis dit, voilà, ça me fait 20 balles d'économiser pour mon PC, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Et j'avais dit aussi que le poil s'emballe, que du coup le no buy n'était pas, enfin, que je me permettrais quand même d'acheter les flawless qui sortiraient vu que je les collectionne, et peut-être bien les spellbooks là, de chez iHeart, que j'ai beaucoup aimé crash tester. Et voilà que, juste après que j'ai dit que j'achèterais pas la palette Eau Coralie, Makeup Revolution a fait un reveal en noir et blanc en disant qu'il allait bientôt avoir une nouvelle flawless. Voilà. Donc moi, je pressens que ce soit une grande. Donc j'attends de voir le reveal. Après, je la prendrai forcément si c'est une de 18 fards. Hein. Si c'est une grande, faudra voir les teintes. Parce que les grandes, il n'y en a qu'une qui est sortie jusqu'à maintenant, je crois. Dans le genre de la Affinity. Voilà, je ne vais pas commencer à collectionner les moyennes, les grandes, les petites, parce que ça fait trop. Et ça fait trop de doublons. Donc on verra bien. J'attends le reveal. Donc il ne me reste plus qu'à vous montrer mon étagère sur mon bureau de chez Jiffy. Et à vous rappeler aussi que c'est le dernier jour, donc vous avez jusqu'à minuit pour participer au concours avec les parfums Nox. Donc je vous la remets en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller participer si jamais c'est pas encore fait. Voilà, voilà, j'en suis toujours aussi contente de ces parfums. Ils tiennent bien, franchement, sur moi ils tiennent toute la journée, donc je suis contente. Et voilà. Donc on verra bien comment... Là j'attends, je leur ai envoyé le lien samedi quand la vidéo est sortie, donc j'attends qu'ils voient la vidéo. Je sais que ça vous a beaucoup plu que je fasse vraiment dans le détail comme ça. Mais je voulais pas juste vous balancer, voilà, j'ai un partenariat, j'ai reçu deux parfums, j'ai un code promo, point quoi. Non, j'avais vraiment envie de parler du site et tout ça, comme j'avais fait pour Beauty Lala quand j'étais en partenariat avec eux. Et voilà. Sinon, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Là, je crois que je vais... Hier soir, j'ai regardé, j'avais mis enregistré les 3 épisodes de Labyrinthe. Donc hier, j'ai regardé le 1 et le 2, hier soir. Chérie, il me dit, oh, ça a l'air nul ton film. Et puis finalement, on a achevé le 2. Il était là, bah attends, ça va bientôt être fini, ça va bientôt être fini. Donc là, je pense que je vais glander, regarder le 3. J'attends le facteur, j'ai le colis anti-puce du gros qui va arriver. Je crois que c'est tout ce qui doit arriver aujourd'hui. Douglas, je sais pas, le suivi me marque que le numéro n'est pas disponible, donc je sais pas combien de temps ils mettent pour livrer. Apparemment ça va assez vite, on verra bien. Voilà, j'ai fait une commande Shein hier soir. Ouais, hier dans la journée. Je vous avais dit sur Instagram que j'ai été à la sieste et que j'ai rêvé que je suis passé en no-buy et que j'ai rêvé que je faisais plein de commandes. Et apparemment c'était un rêve prémonitoire, hein, puisque... J'ai fait une commande Shein. Bon, après, je me suis commandé des fringues. Il me fallait absolument des fringues pour traîner un peu à la maison. J'ai plus grand-chose qui me va. Il faut que j'arrête de maigrir. Les 3/4 de mes pyjamas, pantalons ou ce que je vais pour traîner à la maison, ça y est, commence à taper la causette, sont soit en pilou-pilou, soit trop larges. Donc, il fallait vraiment que je me rachète quelques trucs. Donc ça, je vous ferai un petit... Oh, il a pété, l'enfoiré, ça pue. Et tu pues du cul, hein. Tu pues, hein. Non, c'est pas Lilou. C'est toi qui pues du cul. Ça fait 3 jours que tu nous gazes. Tu dis bonjour. Oui. Tu dis bonjour. Dis bonjour, les gens. Ouais, tu vois que ça sort de ton cul, ces mauvaises odeurs, là. Ah, quand je te dis que tu pues du cul.
Donc voilà, je vais vous laisser là. Pour l'instant, il est en train d'inspecter mes colis Vinted. Ah oui, mes colis Vinted. Bonjour Ryan. Oui, tu dis bonjour les gens. Oh, c'est gentil. Oui, bah c'est pas l'heure, hein. T'es censé manger à 10h, il est que 9h30. Non. T'attends. Toi aussi, t'attends. Cette nuit, j'ai fait 3 ventes Vinted. Il va pas me laisser causer. Et mon imprimante qui faisait de la merde ce matin. J'étais emmêlée avec mes colis, mes papiers et tout là. Wow. Donc chérie, ira les déposer demain. J'espère que j'aurai un ou deux achats qui seront arrivés entre temps. Je me suis acheté un blush sur Vinted, juste pour le packaging, hein, je vous le dis tout de suite. Un Santoro, je savais même pas. J'ai une bougie. Enfin, j'avais. Il me reste plus que le packaging et le pot de chez Santoro qui sentait divinement bon la violette. Et je savais pas qu'ils faisaient du make-up aussi. Et j'ai vu, en fait c'est José qui les vendait, donc une abonnée à moi, elle les vendait à 3€ et là je l'ai vu à 1€. Donc désolé José, je l'ai pris à 1€. Et je l'ai vraiment pris juste pour le packaging. Voilà. Pour voir, hein, pour tester aussi. Je me suis pas donné. Et puis j'attends encore 2 bracelets, je crois. Toujours J-Well Candle. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'attends. J'ai payé 2€ les bracelets et 1€ le truc. Maintenant, il faut que j'arrête là les ventes que je viens de faire. Je vais mettre de côté. En espérant que ça aille beaucoup plus vite pour mon PC. Et voilà. Bon, je vais vous laisser parce que il va pas se taire. Tant que j'aurais pas été mettre décongeler sa poulette, il va pas se taire. On a réussi à lui faire prendre les pastilles que j'ai achetées sur Amazon, que je vous parlais dans l'ancien vlog, là, enfin dans le vlog de la semaine dernière. La petite, elle les gobe, il n'y a pas de souci. Le chat les mange, mais alors lui, difficile de chez difficile. Ouais. Et du coup, on a réussi à le gruger avec du rôti. On lui a foutu avec un bout de rôti et il les a mangés. Donc tout à l'heure. Alors, j'ai le collier pour la petite qui est arrivé chez mon frère le lendemain, hein, que je l'ai commandé. Mais mon frère a toujours pas su me le déposer. Et Enzo, il a été samedi pour dire bonjour et il m'a pas ramené. Monsieur. Mais bien sûr. Et du coup, je pense que je vais quand même mettre celui au gros ce soir, enfin tantôt, quand je l'aurai reçu. J'espère qu'il va pas le bouffer. Parce que même les colis. C'est pour ça qu'il a jamais de collier. Hein. On lui met un collier étrangleur pour aller le promener. Parce que c'est en métal. Parce que quand on lui met des colliers en cuir ou en tissu ou quoi, il les bouffe. Donc il les pète net avec ses dents. On sait pas comment ce qu'il arrive à passer sa gueule dans le collier, il y arrive. Bon allez, je vais faire des congés à poulettes parce que sinon on va pas me laisser en placer une. Et après je vous montre mon étagère Jiffy. Donc je vous montre. Je vous filme avec le téléphone, hein, ça sera mieux. Donc au départ, je l'avais mis en coin comme ça, mais ça prenait plus de place et ça assombrissait vraiment le bureau. Là, je l'ai mis en droit comme ça. Et je trouve ça trop chouette. Voyez, il y a mon café qui traîne, hein, bien évidemment. Et franchement, je suis bien contente du résultat. Donc là, vous avez mon bouquin. Oh, je suis en train de me casser la gueule de ma chaise. Mon bouquin, mon carnet YouTube, mon agenda, mes pinceaux pour quand je fais mon teint, mes parfums, une petite déco, la petite licorne que j'avais sur mon grand meuble, ma petite tasse Bichette que Manon m'avait mis dans le swap, donc je vous remets en barre d'infos aussi. Ma boîte à cacher, ma carte d'identité, briquet. Ça, c'est le petit panier. Oh, voilà que le chien veut rentrer maintenant. C'est le petit panier que Elise m'avait fait avec les cotons, donc je mets dedans mon mascara, enfin les trucs que j'essaye de finir, que j'utilise régulièrement. Les palettes de ma rotation, donc je vous la remets aussi en barre d'infos. La Marie, enfin c'est que de Révolution. Les 3 dernières Flawless et la Marie. Ici j'ai un petit panier avec le scotch. Voilà, ça il faut que je couse des boutons sur mon gilet pour pouvoir le fermer. Ici mon baume à lèvres, mon coupon, ma pince à cheveux et mon pose téléphone là, et mes petits papiers. Donc ça c'est tous les bordereaux que quand j'envoie sur Vinted, je coupe celui qu'il faut mettre dans la partie du colis en deux. Et je garde les petits trucs pour mes penses bêtes. Ben voilà. Comme quoi je vends bien sur Vinted. Et voilà, ben, écoutez, moi je trouve franchement que le rendu est super et vous pouvez la mettre de plusieurs façons. Hein. Je vous ai montré la semaine dernière et j'adore le rendu. Ça fait tout de suite plus rangé, plus organisé et voilà. J'aime beaucoup. 8h, 7h57. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai eu une journée un peu particulière. J'ai bougé de la maison. Donc j'ai été le matin. Le matin, j'avais rendez-vous avec le médecin conseil
comme une ou deux fois par an, hein, voilà, pour voir l'évolution de mon état de santé, puisque je suis en invalidité. Hein. Et ensuite, on est repassé chez Action et Cora. Alors, j'allais chez Action parce qu'il me fallait des pantoufles et un carnet YouTube. Donc, je prends toujours ceux à spirale, hein, en petit format, là, enfin, classique. Et il y en a toujours des beaux chez Action, pas cher. Et là, il n'y en avait que des moches. Voilà, donc, je suis ressortie de là sans pantoufles et sans carnet. Mais j'ai quand même acheté 2-3 petites choses. Donc, je vais vous montrer ça dans cette partie du vlog. Avant ça, j'ai pris rendez-vous pour mes vaccins. Donc, j'ai rendez-vous samedi, donc hier pour vous. Pour le premier, je viens de vous mettre un sondage sur Insta. Enfin, je vous ai mis un sondage sur Insta pour voir pour le vaccin ceux qui allaient le faire ou pas. Et c'est quand même mitigé. Hein. C'était à 43% de non, je crois. Donc, c'était quand même assez mitigé. Moi, j'ai beaucoup hésité, sauf que c'est le médecin conseil qui me l'a conseillé. Qui m'a dit que voilà, j'étais quand même fragile niveau santé. Donc, que c'était pas plus mal que je le fasse. Puis je me suis dit, merde, ça fait un an et demi que je respecte les règles du confinement et tout ça, contrairement à certains. Donc, je me suis dit, autant faire le vaccin, comme ça, même si je le referai pas forcément l'année prochaine, vu que j'ai pas eu le temps de faire mes défenses immunitaires, enfin, comme personne, hein, à cause du déconfinement et tout ça, je me suis dit que c'était pas plus mal de faire le vaccin, au moins cette année, pour qu'on essaye de sortir de ce foutu merdier, là, et qu'on puisse reprendre une vie normale. Plus il y aura de monde qui feront le vaccin, plus on aura de chance que ça évite. Donc je me suis dit, ça sera ma petite contribution pour que ça s'arrête vite, cette histoire de confinement, de restrictions, de voir les gens et tout ça, parce que ça commence à être pénible. Même si moi, ça change pas grand-chose, parce que je vois pas grand monde en règle générale et que je sors pas beaucoup de chez moi. Mais ça devient vraiment épuisant. Avant, j'avais le choix. Voilà, c'était par choix que je restais à la maison. Là, j'ai pas vraiment le choix, donc... Donc voilà, je vous ai mis également un sondage ce matin pour moi, hein, donc pour voir si ça vous intéressait un quiz Disney pour le live samedi, en espérant que je n'ai pas de réaction au vaccin. Sinon, je devrais l'annuler, on verra dans quel état je serai. Si je dois l'annuler à la dernière minute, ça me fera chier, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Voilà, de toute façon, c'est déjà passé pour vous. Hein. Là, je vais aller, j'ai déjà pendu ma machine, j'ai fait mes soins. Faut que j'aspire mon poil, que je brosse mes dents, que je prépare pour faire mes deux vidéos, parce que j'ai deux vidéos à tourner aujourd'hui, parce que ça fait deux jours que j'ai pas filmé. Hein. Lundi, j'ai glandé et j'avais mal la tête. Et hier, je suis partie en vadrouille toute la journée et quand je suis rentrée, j'ai été directement me coucher. Donc, deux jours que j'ai rien foutu. Donc là, il faut que je m'active un petit peu quand même. Hein. Un petit peu. Hein. Alors, j'ai reçu hier aussi un cadeau d'Élise encore qui m'a refait des cotons. Je voulais lui racheter, hein, comme je vous l'avais dit dans un dernier vlog, mais elle n'a pas voulu. Elle m'a fait ceux avec ce tissu-ci qui est trop beau, avec des petites plumes, rose poudrée comme ça, avec des petites plumes. Donc, il y en a 10, hein, là, c'est 5. Je vais aller les ranger avec ceux-là en attendant d'abîmer un peu plus les autres. Voilà, j'adore ces petits cotons, je n'utilise plus que ceux-là. Et en cadeau, elle m'a fait des chouchous, enfin, en plus, puisque les cotons, elle ne m'a pas voulu me les vendre non plus. Elle m'a fait des chouchous avec les mêmes tissus. Oh, c'est trop chouette. Donc, il y en a un plus long que l'autre avec des volants. Donc, je me suis dit, on va les essayer tout de suite. Donc, j'ai fait ma demi-queue. Et voilà, Élise, je les essaye de suite. C'est vraiment adorable. Alors, elle s'excusait parce qu'il y avait des petits défauts et tout ça. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand c'est du fait main comme ça. Il n'y a rien de plus beau. Par contre, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Les petits défauts font partie du cadeau. Moi, j'adore ça. Et il est très beau. J'aime beaucoup. Très, très, très joli. Oh là là. Moi qui ai une obsession avec les chouchous en ce moment. Et le deuxième, donc celui-ci est un peu plus court. Je ne sais pas si ça fera joli dans les cheveux, on va voir. Sinon, au pire, je couperai les rallonges, là. Pour mettre juste en chouchou classique ou avec un petit nœud. Oh, ça va. En faisant un petit nœud, je pense que ça sera plus joli parce que là, ils sont un peu courts, donc ça rebique un peu. Après, pour une queue entière, ça sera peut-être plus joli. Mais oh, sinon... On les cache. Ce tissu. Mais les deux tissus sont magnifiques. Donc voilà. Merci beaucoup ma belle.
Et arrête de t'excuser pour les défauts quand tu me fais des cadeaux comme ça. C'est des cadeaux que tu as fait toi-même, que tu as pris le temps de faire pour moi. Je trouve ça tellement adorable, quoi. Mais alors tellement adorable. Voilà, donc là, je peux pas les mettre parce qu'ils n'iront pas du tout avec le make-up que je dois vous faire. Donc, je vous tourne la deuxième partie de la vidéo de lundi, donc demain pour vous, et celle de mercredi qui sera une abonnée choisie mon make-up. Voilà, donc Élise, encore merci. Merci pour ton petit mot. C'est adorable. J'ai reçu ma commande Douglas aussi hier, donc j'ai pris les crayons Epicware, c'est bien ça, hein, c'est bien Epicware, ouais, de chez NYX, donc j'ai pris le noir et le Silver Lightning, je crois, attendez, Silver Lightning. Je les ai swatchés hier sur ma main et j'en reviens pas de la pigmentation du noir, j'étais assez bluffée. Après ils sont pas marqués waterproof, mais ils glissent tout seuls, quoi. Donc j'ai pris deux noirs, je verrai bien s'ils me plaisent ou pas, si je trouve qu'ils tiennent pas assez bien, je vous en mettrai un dans le concours des 9 ans. Et le Silver Lightning, je vous avais dit qu'il me manquait un crayon argenté, et regardez-moi la beauté de la chose, quoi. Il est magnifique, magnifique. Et moi je les ai enlevés, les swatchs que j'avais fait hier, je les ai laissés un bon moment, hein, tout l'après-midi, même à la sieste et tout. Et j'ai réussi à les faire partir qu'avec le clou tonique de chez Pixi quand je faisais mes soins du soir. Donc ça a l'air de pas mal tenir. Avec l'eau de rose, ils sont pas partis. Donc on va passer à Action. D'abord Cora, parce que j'ai acheté mes papiers chez Cora. Puisqu'il n'y en avait pas chez Action. Donc je prends toujours des basiques comme ça. Là, ça a des petits papillons, des grises. Voilà, que j'ai payé 6 euros. Je prends toujours avec une semelle en dur parce que les semelles moelleuses, là, je ne tiens pas assez longtemps et ça me donne, avec mon hernie discale, ça me, comme je m'enfonce trop dans la semelle, ça me fait mal dans le dos. Donc je prends toujours celle-là. Donc maintenant, je vais pouvoir changer mes pantoufles que je suis en train de perdre. Alors, j'avais le ticket de chez Action. Voilà. Je vais vous donner les prix en même temps, hein. De toute façon on a le temps, j'ai pas vlogué hier. Donc, voilà. Donc j'ai tout d'abord pris une pochette cadeau comme ça pour l'anniversaire du DJ, avec des petits cœurs dorés, voilà. Il n'y avait pas grand chose en format assez grand, c'est plus un petit sac de course comme ça, très joli. Et ça j'ai payé 79 centimes. J'avais pris un câble pour recharger le téléphone d'Enzo aussi, mais il l'a déjà pris, c'est 1,59€. Et monsieur s'était pris de la bouffe, mais il les a déjà rangés. Voilà. Alors, je me suis pris, je suis en train de se casser la gueule dans le sac parce que j'en ai pris un hier soir, des sneakers. Voilà, j'avais très envie de sneakers parce qu'on en parlait sur le live la dernière fois. On parlait de saloperie, chocolat, Mars, sneakers et tout ça. Donc je me suis pris des sneakers à 2,99€ les 10. Donc ça va, c'est des petits. Hein. Je me suis repris un paquet de pain à l'ail. Voilà. Comme d'hab, 97 centimes. Toujours en bonbon, je me suis pris ça. J'adore ces trucs-là, il n'y en a pas tout le temps. C'est avec du masse-pain, je crois. C'est comment ce qu'ils disent, ça? Des pipettes. Ouais, il me semble qu'il y a du masse-pain dedans. J'adore ces petits trucs-là. Et moi, ça me fait un dessert, un seul. Alors, attendez, il faut que je les trouve. 1,09€. Je me suis pris aussi des... ça aussi j'en prends à chaque fois que j'y vais à 1,59€. Voilà. Alors chérie a repris le déboucheur qu'on prend tout le temps pour entretenir les canalisations, toilettes, évier, baignoire, on en fout partout et ça décape, hein. Et celui là est à super fine, la déboucheur 1,29€, et franchement c'est le meilleur déboucheur qu'on ait pu trouver jusqu'à maintenant.
chez Cora. Je me suis pris une Yankee Candle parce que là, ils avaient il n'y avait que 5 sortes différentes. Hein. Un truc à. Les petites étaient à 13 euros, enfin les moyennes étaient à 13 euros et les grandes à 19 euros, je crois. Je crois que je les ai jamais vues si peu chères. Donc là, j'ai dit hop, je m'en reprends une. Et elles sentent bon pour cachemire luxuriant. C'est une de 340 grammes, alors ils ne lisent pas les notes. Mais elles sont divinement bon. Et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté une Yankee Candle. J'adore ces bougies, c'est vraiment le must-have pour moi. C'est celle qui brûle le plus longtemps, qui sent le mieux. Donc j'étais bien contente de les trouver en promo. J'en ai pris qu'une parce que comme je ne pouvais pas les sentir. Voilà, il y avait d'autres senteurs, il y avait quoi, je ne sais plus. Il n'y avait pas steak. Donc là j'ai pensé aux filles, mais je me suis dit ça fait un peu cher en goodies. Prendre une bougie pastèque. Donc voilà. Mais je suis bien contente d'avoir trouvé celle-là à ce prix-là. C'est rare de les trouver à ce prix-là. Alors, on va finir avec un petit peu de papeterie. Chérie s'est pris un carnet. Vous voyez, c'est le genre de carnet à spirale que moi, j'adore. Sauf qu'il n'y avait que ceux-là. Ils étaient vraiment pas beaux. Après, j'aurais pu... Je peux peut-être le piquer et le customiser. Alors. Lui, il a pris ça pour ses réunions. Quand il a des réunions au boulot. Je sais pas pourquoi faire, mais je verrai bien. Si j'en trouve pas la prochaine fois, j'essaierai de lui carotter celui-là. De toute façon, il va peut-être pas forcément s'en servir. Il va lui dire à chaque fois qu'il a une réunion, donc c'est pas très grave. Et il était à 1,35€ avec intercalaire, 1,35€. Je me suis repris des bics parce que voilà, j'adore les bics. J'adore les bics. Ça a toujours été aussi. Donc je me suis pris ceci avec les petits nuages en rose poudré et bleu un peu turquoise ciel, comme ça, un peu pastel. Et ils étaient à 79 centimes. Après, ils vont pas toujours très bien hein, et pas très longtemps, mais pour le prix. Je me suis repris 4 fluo comme ça, bah, principalement pour le jaune et le rose, puisque je m'en sers pour mon agenda et mes vidéos YouTube et tout ça. Et ceux-là, ils étaient. Ils sont pas notés. Ils étaient gratuits. Chérie s'est repris un déo Adidas à 1,89€. Ah si, Stranger Marker 4 pièces, 92 centimes. Et pour finir, à 69 centimes, je me suis pris deux trucs de stickers comme ça. Voilà, j'aime bien en avoir toujours sur la main pour les swaps, les colis, Vinted, pour les lots des concours, enfin, ce genre de choses. Là, si je dois customiser le cahier de chérie, ça ira très bien. Et voilà, c'était à 69 centimes. Il y avait deux modèles que j'avais pas. Donc j'ai pris les deux modèles. Ah ben vous les voyez derrière d'ailleurs. Il y en a 22 chaque. Il y a ceux-ci. Et les autres. Comme ça. Voilà, et ça c'est le genre de petits stickers que j'aime bien avoir, même pour les cadeaux d'anniversaire et compagnie. Donc voilà. Ben voilà, je vous ai tout montré, maintenant j'ai plus qu'à ranger, c'est un bordel sans nom, nouveau encore une fois, hein, comme ben, chaque fois que je fais quelque chose, c'est quand même incroyable. Donc là je vais aller brosser mes dents, aspirer mon poil et l'allumer parce qu'il fait pas très 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 chaud. Je sais pas combien est-ce qu'il prévoit aujourd'hui, on va regarder hein. Là, il fait 4 degrés et il prévoit 9 degrés pour la journée. Il prévoit que de la pluie toute la semaine. Orage dimanche. Oh, il prévoit de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. 24 degrés dimanche. Samedi 18, dimanche 24, lundi 18, mardi 17. On verra bien si c'est vrai ou pas. Hier, j'ai fait tourner mes draps parce que la météo disait qu'il allait faire 14 degrés avec du soleil. Un peu de vent. Je me suis dit comme ça, les draps sécheront très vite en extérieur. Il a fait dégueu toute la journée, il a fait super froid et il y a plu, il y a eu des averses toute la journée. Donc j'ai dû les faire sécher à l'intérieur. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Je ne crois pas. Là, j'ai lavé mes bandanas que j'avais acheté sur Shein parce que
Ils étaient difficiles à manipuler, donc je les ai lavés pour enlever un peu l'amidon qui est toujours dessus au début. Là. C'est de l'amidon, hein ? Oui, ça doit être ça. Et pour bien les plier, pour pouvoir les mettre plus facilement en serre-tête. Je ne sais pas si le facteur a amené quelque chose. Ah, et vous avez, enfin, oui, vous avez dû voir si vous me suivez sur Insta. Il y a une nouvelle loi européenne qui est passée. Maintenant, on va devoir payer la TVA sur tous les produits qui viennent, toutes les commandes qui viennent hors Union européenne, justement. Donc, ça veut dire que AliExpress, Shein, Révolution, Beauty Bay, enfin, tous les meilleurs sites, quoi, on va être taxé dessus. À 21% pour la Belgique et 20% pour la France. À partir du 1er juillet. Donc, chouette. Donc si vous avez des commandes à faire, apparemment ça sera même avant déjà, donc faites attention. Mon chien est en train de rêver. Je lui ai mis son collier, ah mais monsieur, je sais pas où il a mis la boîte. J'avais laissé la boîte exprès pour vous montrer, mais je sais pas où il a foutu. Bah, je sais pas où est-ce qu'il a mis la boîte. Ah, ici. Donc j'ai reçu son collier à lui, c'est de chez Bayer, hein. C'est la meilleure marque... à mon sens, pour les produits animaux. Et voilà, c'est le CRSO. Et écoutez, le support très bien. Je lui ai mis... je l'ai reçu quand ? Lundi. On est mercredi. Donc, je lui ai mis lundi dès que je l'ai reçu. Il y touche pas. Il le laisse. Il le supporte bien. Ça n'a pas l'air de me démanger rien. Donc, je suis bien contente. Donc, là, j'attends celui de la petite. Mais c'est mon frère qui l'a. Donc, il doit me le déposer je sais pas quand. Et comme ça, je lui mettrai à elle aussi... Et voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais arrêter de blablater quand même, parce que là, je suis en train de commencer à parler pour ne rien dire, mais vous m'avez manqué hier. Puis, j'ai pas filmé depuis 2 jours, alors ça m'ennuie de ne pas parler à ma caméra. Donc là, je vais aller me préparer et pouvoir filmer mes 2 vidéos, ça va me faire du bien. Et voilà, parce que hier, j'avais pas trop le moral. Après, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois le médecin conseil, bah déjà, je stresse, parce que, bon, c'est pas lui qui décide, hein, le dossier part à Bruxelles après, et c'est lui qui décide s'il continue à me payer. S'il me paye plus, ça va être compliqué parce que je peux pas retravailler, c'est juste impossible. Entre mon dos, ma tête qui tourne, la dépression, plus, ah oui, ça je vous ai jamais dit, je crois, mais j'ai de l'arthrose dégénérative dans tout le corps. Donc ça veut dire que bah, quand il fait ce sang-là, j'ai absolument mal toutes les articulations. Et à savoir que plus tard, je risque de finir en fauteuil roulant à cause de ça. Voilà. Et j'ai des antécédents de sclérose en plaques dans la famille. Donc, c'est à contrôler que ça ne se transforme pas en sclérose en plaques, justement. Voilà, les joies d'être moi. J'ai un corps de vieille. Quand je vous dis que je suis une mamie. Mon médecin, il m'a dit, après ma radio, quand il a vu l'arthrose, hein, il a dit, j'ai jamais vu une colonne aussi vieille dans un corps aussi jeune. Voilà. En fait, apparemment, j'aurais la colonne vertébrale d'une mamie de 70 ans, quoi. Chouette. Donc, j'ai le droit de faire mes siestes quotidiennes. Voilà. Hein, je suis une mamie. Voilà. 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 C'est comme ça. C'est la vie. Bon, allez. Je vais ranger mon bordel et faire ce que j'ai à faire et aller filmer avant que Georges ne rentre, puisqu'il rentre plus tôt aujourd'hui. Je vous filmerai quand il rentre, que vous voyez un petit peu. Voilà, voilà. Allez. Tantôt. Georges arrive. Hola. Le voilà. Bou. Ça a été l'école? Ouais. Fatigué, mais ça va. Ouais, fatigué. Tu m'étonnes, moi aussi, je vais à la sieste maintenant. C'est tout ce que tu racontes? Tire pas comme ça dessus. C'est comme ça qu'on les casse. Ah non, ça me fait pas. Tu dis bonjour à les gens et puis je coupe. Au revoir. Wesh wesh qu'à la pêche. Faites pas attention au bordel, hein, j'ai pas foutu grand chose à la maison. Oh mon dieu ! Bon allez, moi je vais aller me faire ma petite sieste, donc on se suit du beau jour. 11h37 et je vous prends avec ma tête de queen habituelle. La journée est poivre déjà, ça commence bien. Je me suis levée à 5h et du coup j'ai été me recoucher après que Sam soit parti à l'école vers 8h30 jusqu'à 10h30. Voilà. Là je vais manger un bout, j'attends que monsieur me téléphone parce que j'ai une très mauvaise nouvelle à lui annoncer.
J'ai pas pu aspirer mon poêle ce matin, donc là je viens quand même de l'allumer parce que je suis gelée. Il fait 9 degrés dehors, je crois, et il ne doit pas faire beaucoup plus à l'intérieur. Mais j'ai pas pu aspirer parce que monsieur Enzo m'a piqué la rallonge, et bien sûr, il dort encore. Je vais le tuer, voilà, j'ai juste envie de le zigouiller là, maintenant, tout de suite. Je me suis réveillée de ma sieste du matin, j'ai achevé ma nuit ce matin. Et on a sonné, je me suis dit, oh, tu vois, le facteur m'amène un colis. Ben non, c'était un huissier. Quelle bonne nouvelle. Donc, c'est toujours pour cette histoire d'eau de merde de là où on habitait avant. On n'y habite plus depuis 2014, je crois. 2014 ou 2015. Et il continue à nous pomper, à nous envoyer des factures de flotte. Donc, il les accumule. J'ai beau leur envoyer des mails, des courriers, leur téléphoner, y aller et tout, il n'y a rien qui change, ils ne changent pas le nom de ce foutu compteur. Donc ça commence gravement à me pomper. Et là, la madame huissier, je ne sais pas comment on appelle huissier, femme, ça doit être huissier aussi, était venue pour faire un état des lieux pour la saisie, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, j'attends que monsieur me téléphone pour lui raconter ça, parce que c'est lui qui a tous les papiers du tribunal et tout ça. Parce qu'on était déjà passé au tribunal avec eux. Hein. Et le juge nous avait donné totalement raison, mais eux ont décidé de repasser au-dessus du jugement du juge, voilà, de la décision du juge. Donc, pourquoi mon téléphone se fait des trucs chelous? Donc voilà, je suis totalement énervée, j'attrape mal la tête, ça y est, voilà, ça me saoule. Alors que j'ai pas pu aspirer mon poil, ça m'énerve aussi. Et voilà. Sinon, bon bah écoutez, je vous en parlerai plus. Là, on est déjà jeudi, donc je pense pas que Chérie va pouvoir régler ça maintenant. Là, je vais l'appeler. Enfin, j'attends qu'il m'appelle pendant sa pause de midi. Je vais pas le déranger au bureau pour ça. Et voilà. Donc, ils ont noté la voiture en priorité, n'est-ce pas? Évidemment, hein. Pour 1700 balles, ils vont prendre un truc à 15 000 balles. C'est logique. Donc voilà, il faut vraiment qu'il règle ça, qu'il envoie les papiers de la décision du juge et tout ça au huissier, parce que le huissier me disait, enfin la huissier me disait qu'elle n'avait aucune trace de ce jugement. Ben, je dis forcément, ils ne vont pas vous le donner, vu qu'ils savent qu'ils sont en tort. Oh putain, ça m'énerve, je comprends pas. D'accord, ils veulent leur flotte, mais alors qu'ils retrouvent ceux qui ont consommé la flotte, pas nous, quoi. Enfin bref, voilà, donc je suis énervée. Je voulais filmer ce matin la vidéo de vendredi. Et finalement, ben, ça ne sera pas pour aujourd'hui, je ferai ça demain. Bon, après, je suis un peu en retard mais dans mes vidéos, mais ça va, j'arrive quand même à garder au minimum ma semaine d'avance. Et voilà. Alors, je voulais vous faire, changement de sujet, on passe du coq à l'âne. Je voulais vous faire un petit retour sur le baume démaquillant la framboise là, de chez Fluff. Alors, j'adore l'odeur, mais alors vraiment. Je l'ai utilisé plusieurs fois hein, déjà. On dirait du yaourt à la framboise. Ça sent trop bon. Il démaquille super bien. Même les yeux, sauf que moi, il me pique les yeux. Donc, je suis dégoûtée parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que il en faut très peu. Après, si vous l'achetez, je vous conseille quand même d'en mettre un peu dans vos mains, de chauffer le produit et d'humidifier un peu vos mains parce que sinon, il est vraiment difficile à travailler. Il est assez compact comme baume. Donc je vais le donner à Amy quand on fera l'échange de swap pour qu'elle le teste, parce qu'elle adore les baumes démaquillants. Donc elle le testera. Moi ça me pique vraiment les yeux, comme si j'avais du savon dans les yeux, c'est dommage. Mais bon, la dernière fois j'ai eu ça avec mon huile Nivea aussi, donc je me suis dit c'est peut-être que, mais non. Ça pique, ça m'a pur piqué avec l'huile Nivea, mais avec ça, ça me pique. Donc je peux pas continuer parce que ça me brûle vraiment les yeux. Et je suis dégoûtée parce que j'aimais vraiment bien l'utiliser et tout. Et ils sont tellement bons. Bref, tant pis. On restera sur l'huile Nivea. Voilà, sinon je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Ah si, hier j'ai reçu deux bracelets que j'avais recommandés sur Vinted. Donc du coup j'ai mis celui police justicier avec ma boîte Pandora. Parce que ça faisait trop... Enfin, pas de la même épaisseur. Donc ça me... Oui, il y a des choses qui me chamboulent facilement. Vous allez me dire, je sais, je suis pas normale. Donc j'ai pris celui avec les petites étoiles là comme ça. Enfin vous avez une plus grosse au-dessus, des petits pampis comme ça et puis des petites étoiles creuses. Et j'ai pris celui-ci, j'adore hein, avec les breloques qui pendent, avec le double, enfin avec l'infini et puis une petite plume ou aile, une petite aile.
Voilà, plus celui que j'avais déjà reçu, que je vous avais déjà montré. Et voilà. Donc je vous ai dit, c'est ma nouvelle obsession du moment. Alors moi, je les attache ensemble, hein, pour pas qu'ils bougent de trop. Et qu'ils restent à peu près en place. Donc ça bouge quand même, ça s'emmêle quand même, hein, quand même, quand vous en avez autant, mais ça bouge un peu moins, quoi. Mais voilà, je trouve que le rendu, ça fait déjà super joli. J'en ai encore plein en favori sur Vinted, mais bon, économie. Surtout que là, j'attends ce soir que Chérie rentre et je vais me refaire une commande Shein avant que la loi elle passe là. Parce qu'apparemment, j'ai déjà vu qu'à partir du 1er mai, vous risquiez d'avoir déjà la TVA à payer. Donc, comme j'avais encore des trucs qui me faisaient envie, je vais commander maintenant. Vous voyez, comme ça, j'évite ça. Puisqu'après, je pense qu'on ne pourra plus trop ou alors on aura plus de frais. Donc là, je vais refaire une commande Shein et du coup, je regrouperai les deux dans une vidéo haul et try-on. Voilà pour ça. Et j'ai vu qu'il y avait un Harvest Moon qui allait sortir sur Switch. Alors, j'ai réussi à me contrôler pour Animal Crossing. Mais maintenant, j'ai envie d'une Switch pour jouer à Harvest Moon. J'adore ces petits jeux-là, débiles, mais j'adore ça. J'ai joué sur Wii, j'avais le Magical, je sais plus quoi. C'est le même style qu'Animal Crossing, hein, mais voilà. Donc il va falloir que je me recontrôle parce que c'est pas le moment du tout d'acheter une Switch. À moins que Chérie gagnerait sur son jeu des milliers d'euros, là, ça serait bien. Mais je crois que même avec ça, il ne me paierait pas ça. Bref, donc voilà, je crois que pour aujourd'hui, ce vlog va être n'importe quoi et court et stupide et chiant à mort. Il reste déjà plus que demain. Après, comme j'ai sauté la journée de mardi, ça fait déjà 10, 15, 20 minutes en moins. Mais ça m'énerve. Voilà. Bon, après, ça ne vous empêchera pas de les regarder, on est d'accord, mais quand même. Bon, je vais me chauffer à manger en attendant que Chérie vienne, m'appelle pendant sa pause. Il me reste. Hier, j'avais fait des steaks texans avec des pâtes sauce fromage. De chez Aldi. Aldi rigole hein, à mes stories. En fait, hier, quand j'ai préparé à manger, Chéri est passé, il a vu le paquet de pâtes, il a dit ça va encore être des pâtes sauce fromage. Oui. Et ça m'est passé juste derrière et il a dit mais t'as un sérieux problème avec, avec cette sauce. Hein. Ouais. Allez, je vous laisse, il y a ma belle soeur. Il est 10h16 et on va déjà clôturer ce vlog. C'est passé trop vite cette semaine. Bon, après, j'ai déjà pas vlogué mardi donc. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop court et pas trop chiant. Ça, je doute. Donc, je vais déjà vous donner le planning de la semaine prochaine, même si je crois que je vous l'ai déjà donné, mais pour être sûr, je vais vous le donner. Donc, lundi, crash test du fond de teint infaillible. Mercredi, un ou une abonnée choisit mon make-up. Et vendredi, le vrai ou faux que je viens de vous filmer. Et dimanche, le vlog. Voilà, le weekly vlog, comme d'habitude. Donc là, le facteur a sonné pendant que je tournais ma vidéo pour un colis AliExpress. Donc je me suis dit, on va l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Puisque ce que j'ai commandé, ça fait quand même soit très longtemps, soit pas longtemps du tout. Donc on va voir ça. Donc il y a plusieurs paquets. Il y a deux paquets dedans. Alors, ça y est, j'ai un chamoyé. Dans le petit, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les attaches, les masques pour Georges. Ben, ça, j'ai commandé il y a que quelques jours. Hein. C'est pour mettre les masques derrière la tête, parce que bon, comme lui, il le met 8 heures par jour quand il va à l'école, et ça lui bousille au-dessus des oreilles. Donc, ben, ça, ça doit être des masques. Voyons voir si c'est les miens ou ceux des garçons. C'est les miens. Oh, ils sont beaux. Oh. Ah, ils sont pas emballés individuellement. Mais oh, ils sont beaux. Donc j'ai des masques en papier, hein, que moi je lave. Hein. Je les lave. Oh, ils sont magnifiques. Oh, très beau. Oh, je suis contente. Je vais vous en mettre un dans les concours.
dans le concours des 9 ans. Et je vous mettrai aussi, quand j'aurai reçu les autres, je vous mettrai un militaire, comme ça je vous mettrai un de chaque. J'en mets un dans les soirs pour les filles aussi. Voilà, c'est jamais perdu. Là, il y en a 50, donc moi qui sors jamais, j'en ai pas besoin de 50. Je vais en donner à mes nièces aussi. Et voilà, mais ils sont vraiment très 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 beaux. C'est exactement les mêmes que les autres. Hein. Je suis bien contente. Et ça, ben, Jean-Chi l'essayera et puis il vous dira dans un prochain vlog si ça l'aide ou pas. Donc vous accrochez là et vous le mettez derrière la tête. Voilà, voilà, bah écoutez, je suis bien contente. Ils sont vraiment très beaux. Et pour les garçons, j'ai pris des militaires noirs et blancs. Voilà. Mais j'en reviens pas comment ça a été vite pour que je les reçoive. Par contre, j'ai commandé il y a vraiment, vraiment, vraiment pas longtemps. Ok, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Ah oui, juste petit aparté à propos du huissier hier. Chéri est rentré, donc il a vu le papier qu'ils m'ont laissé et tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que à chaque fois un huissier nous donne raison, puisqu'on est dans nos droits, hein, c'est eux qui ont tort, qui nous réclament de l'argent que nous on leur doit pas, que c'est pas nous qui leur devons, il passe chez un autre huissier. Alors je pense pas que ça soit très légal, hein, tout ça, mais voilà. Donc là il a pris les papiers pour essayer de régler ça pendant sa pause de midi ou quand il a rien à faire au boulot. Donc on verra bien, mais il y a intérêt que ça se règle vite, parce que je lui ai dit, tu me règles ça au plus vite, parce que sinon j'ai déposé une bombe, moi, hein, voilà, je vais leur casser la gueule directement là-bas, ça sera vite réglé. Bref, bon, ben écoutez, voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Ma belle-sœur est venue hier, elle était censée venir 5 minutes boire un café et me demander un service, et au final, elle est restée à 3h30. Voilà, donc après, j'ai pas pu faire de sieste en plus l'après-midi, donc j'ai fait quoi après? J'ai rangé et je me suis allongée quand même une demi-heure dans le canapé en attendant que chérie rentre, et c'est tout, voilà. Ça m'a fait du bien de voir un peu ma belle-sœur et de papoter entre filles comme ça. Et du coup, elle nous a invité à manger jeudi prochain puisque c'est l'Ascension. Donc, on va manger là-bas. Il y aura ma mère aussi. Et voilà. Donc, ça, je vous filmerai quand je me prépare jeudi prochain puisque je pense que j'aurai le temps. On verra bien. Bref, on va déjà laisser passer ce week-end et on se tracassera après pour la semaine prochaine parce que là, c'est juste pas possible. Et voilà, bah écoutez, j'ai plus rien d'autre à vous dire à part voilà, donc on va peut-être arrêter de le dire. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air, de me dire ce que vous voulez en commentaire. Et on se retrouve bah, de toute façon demain pour la vidéo crash test du fond de teint. Et on reprend le planning normal des vidéos lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Et les lives un samedi sur deux. Donc en attendant tout ça, moi je vous dis bisous bisous.